vas-y, oui, oui. Oui, oui. C'est toi qui conduis. Oui, vas-y, oui, oui. Oui, oui. Au pays des jouets. Oui, oui, et le coucou. Ce matin. Mes petits gâteaux aux framboises, ils sentent très bon. Tiens, je me fais moi-même des compliments. Coucou. Coucou. Ah, oh, le coucou. C'est l'heure de sortir les gâteaux du four. Coucou. C'est l'heure d'alterner la garde. Hop, 2, 3, 4. Hop, 2, 3, 4. Oh, merci, coucou. C'est l'heure de s'assurer que tout le monde est heureux au pays des jouets. Oh, je sais ce que ce coucou me rappelle. C'est l'heure de mettre en route ma machine à faire la gelée. Bonjour, Mirou. Bonjour, oui, oui. Est-ce que tu voudrais un petit gâteau aux framboiselles? Oh, oui. Et après ça, on ira essayer mon nouveau cerf-volant. Ton cerf-volant est magnifique, oui, oui. Tiens, essaie-le, Mirou. Oui. Il y en a qui s'amusent ici. Moi, je ne me suis jamais amusée sur ce perchoir. Il est peut-être temps d'essayer. Personne ne me regrettera ici. Allons-y. Eh bien, quel appétit! Dites-moi, la mer a l'air d'être assez bonne? Oh! Un petit peu froide à mon goût. Je crois que je vais aller voir ailleurs. Ravie de vous avoir rencontré. Au revoir! Oui, oui, c'est l'heure du football pour les enfants. Déjà? Oh, excusez-moi, je comptais sur le coucou pour y penser. Tu devais venir nous chercher. On t'a attendu des heures et des heures. Je veux jouer au football. Mais où étais-tu? J'ai apporté le ballon. Je me demande pourquoi le coucou n'a pas chanté.
Oh, il est parti. Parti? Mais où est-il allé? Nous avons tous besoin du coucou. Venez, il faut le retrouver. Coucou! Coucou! Oh, où es-tu, coucou? Oui, au secours! Que se passe-t-il, monsieur Culbuto? Ma merveilleuse gelée, elle est dure comme de la glace! Oh là là! Comment est-ce arrivé? Quand le coucou chante, je sais qu'il faut arrêter le refroidissement de la gelée, mais le coucou n'a pas chanté! Ne vous inquiétez pas, monsieur Culbuto. Monsieur le gendarme, qu'est-ce qui vous arrive? Oui, mes chaussures, regarde. Vos semelles sont complètement usées. Dès que j'entends le coucou, je sais que ma ronde matinale dans Miniville est terminée, mais... Le coucou n'a pas chanté parce que le coucou est parti. Parti? Les soldats ont attendu si longtemps le signal du coucou pour alterner la garde qu'ils se sont endormis. Oh, mais que pouvons-nous faire à présent? Il faut retrouver notre coucou. Je crois que j'ai une idée. C'est le bon moment pour un plan à la oui-oui. Escadrille, parée pour la mission coucou. 3, 2, 1, parée au décollage. Escadrille, attention, on y va. J'ai retrouvé le coucou. Je répète, j'ai retrouvé le coucou. Passe devant, coucou. Bravo pour avoir retrouvé le coucou, oui. Mais pourquoi a-t-il quitté son emplacement habituel? Il avait juste envie de s'amuser, c'est tout. Mais que faire s'il lui prend l'idée de repartir s'amuser? Pas d'inquiétude. Je crois que je sais comment le faire rester à son poste en s'amusant quand même.
Coucou, c'est l'heure de jouer à cache-cache. Cache-cache. Oh, 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 d'accord. Oh, bien. Cache-cache. 9, 10, j'arrive caché ou pas. Oh, monsieur le gendarme, je vous ai trouvé. Alors là, on s'amuse. Un anniversaire pour Wiz. Bébé. Bonjour, oui, bonjour, Mirou. Vous venez nous aider à ranger? Non, Wiz, pour connaître la date de ton anniversaire. J'ai noté dans mon carnet l'anniversaire de mes amis, mais je ne connais pas le tien. Il y a une bonne raison à cela, Mirou. C'est simplement que les robots n'ont pas de date d'anniversaire. Pas de fête qui vaille, seulement des jours de travail. Oh, mais Wiz, tout le monde devrait avoir son jour de fête. Lindy a raison, on ne devrait pas priver les robots d'une telle fête. J'ai une idée. Décidons qu'aujourd'hui est ton anniversaire. Oh, c'est une excellente idée, oui. Youpi, c'est l'anniversaire de Wiz. Bilibip, je vous remercie beaucoup. C'est très gentil à vous. Mais je voudrais vous poser une question. En fait, qu'est-ce que c'est un anniversaire? Oh, tu ne sais pas, Wiz. C'est quand tu as un an de plus et que tous tes amis te souhaitent joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et que tu reçois des cartes d'anniversaire. Ah, pas de magie, s'il te plaît, Lindy. Oh, pardon, Wiz, je suis un peu excitée. Et un cadeau d'anniversaire. Oh, Magnifique, Lindy, sans faire appel à la magie. Tu pourras utiliser mon cadeau autant que tu voudras maintenant. Oh, Wiz, merci. Et Wiz, on te fera une fête aussi. Une fête? Oui, une fête où on pourra danser. Ou alors, une fête où on doit se déguiser. Tada! On peut aussi organiser une grande fête surprise. Une grande fête surprise? Et comment ça se passe, oui? Oh? Surprise! C'est ça alors, une fête surprise? Oh, je me sens si heureux et si excité que je pourrais... Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent très heureux et très excité? Dis oui. Il y a des gens qui sautent en l'air et qui crient « Youpi !» ou qui dansent comme des fous. Tu fais tout ce que tu veux le jour de ton anniversaire. Oh, youpi! J'ai l'impression d'être allé un peu trop loin dans mon excitation, oui. Mais pas du tout. Faire le fou à son anniversaire, c'est normal, Wiz. Maintenant, tu sais pourquoi tout le monde aime les anniversaires à Miniville. J'ai eu l'occasion de te dire à quel point je déteste les anniversaires sournois. Oui, Fino, tu me l'as dit. Il y a une horrible ambiance de joyeux anniversaire par ici. Nous devons gâcher cette ambiance. Quelle est la règle numéro 1 des lutins? Toujours essayer de gâcher l'ambiance. Monsieur le gendarme est là. Nous allons jouer à un jeu de société. On l'appelle le cadeau musical. Non, oh, le cadeau musical, c'est mon jeu préféré. Oh.
Il faut chercher un autre cadeau, oui. Personne n'en veut de celui-ci. Ce n'est pas ça, Wiz. On doit continuer de le faire passer jusqu'à ce que la musique s'arrête. Et là, on peut l'ouvrir. Oh, je savais pas ça. Je suis désolée. Oh, il ne connaît pas les règles du jeu. Enfin, je veux dire, il ne connaît pas les règles du jeu. Voilà. C'est ça. Et donc, on peut lui raconter n'importe quoi. Oh, cette fois, c'est à moi. Non, Wiz, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir le papier cadeau. Ah, c'est vrai? Pourtant, c'est tellement plus ordonné de le refermer. Décidément, je n'ai pas l'air très doué pour fêter les anniversaires. Tu t'y feras très vite. On a encore des choses à préparer maintenant. Wiz, je trouve que tu devrais sortir un peu et faire un tour au bord de la rivière quelques instants. D'accord, si c'est une chose qui se fait pour son anniversaire. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des amis qui veulent bien tout apprendre aux robots sur les anniversaires. Joyeux anniversaire, Wiz. Oh, merci. Mais comment savez-vous qu'on fêtait mon anniversaire? Moi-même, je ne l'ai appris qu'il y a quelques instants. C'est parce qu'on t'espionnait. Non, sur moi veut dire que notre cher ami Oui-Oui a oublié de t'apprendre deux ou trois petites choses. Petites choses amusantes à faire à son anniversaire. Oh, ça ne ressemble pas à Oui-Oui d'oublier. Tiens, par exemple, t'as-t-il expliqué que si quelqu'un te dit « joyeux anniversaire », tu dois... faire cocorico comme un petit coq, voilà. Allez, montre-lui, sournois. Cocorico! Mais non, Oui-Oui ne m'a pas parlé de ça. Je n'oublierai pas de le faire, alors. Bien. Et t'as-t-il dit que quand tu reçois des cartes d'anniversaire, tu dois... tu dois les manger. Ça alors, je pensais qu'on mangeait un bon repas de fête plutôt. Ah, autre chose à propos des cadeaux finaux. Dis-lui ce qu'il doit faire avec. Ah oui. Eh bien, quand tu as reçu un cadeau, il faut toujours le... Il faut le jeter. le jeter à l'eau si c'est possible, voilà. Faire cocorico, manger les cartes reçues et jeter à l'eau mon cadeau. Et vous êtes bien sûr de tout ça, les lutins? Absolument sûr. Ça a l'air bizarre, mais si c'est comme ça, vive les anniversaires! Eh bien, si ça ne gâche pas la fête, je me demande ce qui pourra gâcher la fête. C'est génial. Il ne se doute pas que nous l'attendons. Elle ne sera pas pour Wiz la plus grosse surprise. Elle sera pour eux. Chut, le voilà. Surprise. Oh, oui, Miro, vous êtes tous là. Est-ce que c'est pour mon anniversaire? C'est bien ça, Wiz. Joyeux anniversaire, Wiz. Joyeux anniversaire? Oh, je sais ce qu'il faut faire quand on me dit joyeux anniversaire. Il l'a fait. Ça va gâcher l'ambiance. Et cocorico, à toi aussi, Wiz. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils se comportent comme des fous. Non, Fino, il se comporte comme des coqs. Ta carte d'anniversaire, Wiz, j'espère qu'elle te plaira. Oh, merci, oui, je sais exactement ce qu'il faut faire avec. Tu n'es pas vraiment censé faire ça, Wiz. Tadam. Un papillon. Merveilleux. Bien trouvé, Wiz. Tout va de travers, Fino. À chaque fois que tu essaies de gâcher l'ambiance, tu l'améliores un peu plus. Et ça, Wiz, c'est ton cadeau d'anniversaire. Qu'est-ce que je dois faire déjà avec mon cadeau? Le jeter. Fino et Sournois, vous venez vous joindre à la fête? Exactement, oui. Jette le cadeau, jette-le dans la rivière. Ah oui, bien sûr.
Oh, c'est incroyable. Il est tombé dans l'eau. Il faut faire vite. Suivez-moi. Tu vois, je te l'avais dit que je gâcherais cette fête pour moi. Je gagne toujours, tu vois. Toujours. Désolé, Fino. Tu n'as pas du tout gâché la fête. Car le cadeau d'anniversaire de Wiz, c'est... un bateau télécommandé. Oh. Tu fais vraiment une drôle de tête, Fino. On va arranger ça. Sournois et Fino, au nom de la loi, je vous donne l'ordre de vous joindre à notre fête. Non. Oh, merci, oui. J'ai bien apprécié mon anniversaire. Mais pour m'aider à le comprendre tout à fait, pourrions-nous le recommencer? Naturellement, Wiz. Je pensais le refaire, peut-être, dès demain. Si on décidait de le refaire plus tôt l'année prochaine.